Message from General Pepper. Priority one. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Salut tout le monde, c'est Shiva et on se retrouve pour un petit let's play un petit peu spécial aujourd'hui puisque je vais m'efforcer de faire le jeu d'une traite. Bon, en même temps, Lylat Wars sur 64, c'est pas bien compliqué de le faire d'une traite, hein, c'est l'affaire d'une petite quarantaine de minutes. Et donc, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale aussi parce que j'ai décidé de faire ce jeu, enfin, il y a longtemps que j'ai décidé de le faire, mais j'attendais une occasion un petit peu spéciale. Et donc, je pense que 200 abonnés, c'est une 200 abonnés, pardon. C'est une très bonne occasion. Donc, sans plus attendre, on va lancer le jeu. Corneria, fourth planet of the Lylat system. The evil Andross turned this once thriving system into a wasteland of near extinction. General Pepper of the Cornerian army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pygma Dengar, and Pepe Hare of the Star Fox team were sent to investigate. Upon their arrival, Pygma betrayed the team, and James and Pepe were captured by Andross. Pepe barely escaped Venom and returned home to tell James' son, Fox, about his father's fate. A few years have passed. Andross has again invaded the Lylat system. General Pepper has turned to a new Star Fox team, headed by Fox McCloud, to save Corneria and free the Lylat system once again. J'aime beaucoup le petit once again à la fin. Donc franchement, les voix anglaises sur ce jeu sont juste excellentes. J'ai pas trop adhéré à la traduction française qu'on nous a proposée sur 3DS, même si le lifting du jeu était juste bandant, hein, faut le dire. Alors ce qui est sympa là, c'est, vous voyez, il y a la petite carte du jeu, avec différents itinéraires possibles. Ouais, je vais me forcer de tout expliquer parce que vous connaissez pas forcément le soft. Moi personnellement, j'avais acheté la 3DS juste pour ce jeu en fait. Je voulais vraiment faire l'expérience de ce jeu en 3D. C'est vraiment de mes jeux de 64 préférés et j'ai vraiment pas été déçu. Hein. Hormis par le doublage, mais ça, bon... C'est toujours pareil, hein, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les animés, dans les films. On est parfois déçu quand on est un gros puriste. En l'occurrence, c'est pas du purisme, hein, puisqu'on a toujours connu ce jeu en anglais, au moins pour les personnes de ma génération. Alors, c'est parti! Je sais pas encore quel itinéraire je vais prendre.
It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andross won't have his way with me. Et c'est parti, mission 1, Corneria, ancienne base militaire. Open the wing. Check your G-diffuser system. Falco here. I'm fine. This is Pepe. All systems go. Flippy here. I'm okay. I see him up ahead. Let's rock and roll! Let's rock and roll! Bon. Elle est classe en anglais, pourquoi est-ce qu'ils ont dit de traduire ça par en avant quoi? Let's rock and roll, ça marche bien, c'était cool. Donc ouais, hein, clairement, hop là, un de mes jeux préférés, il est juste excellentissime. Ah, ça commence, l'autre crétin, il va déjà se faire prendre en chasse. Est-ce que j'ai défoncé? Son poursuivant, voilà. Donc vous allez voir, hein, Sleepy, on va passer notre temps à le sauver, c'est normal, c'est un noob, c'est le petit jeune de l'équipe. We're entering Corneria City now. This is horrible. Oh, j'ai pas eu les 4. Les anneaux d'or, c'est important, quand on en a 3, la jauge de vie augmente. Donc franchement, ouais, le lifting sur 3DS de ce jeu est juste impressionnant. Hop là. Mais déjà à l'époque, c'est pas dégueulasse, hein, loin de là. Hop. Pour ceux qui ont connu l'opus sur Super NES, bah on a quand même une nette évolution. Hop là, un petit looping. Non, mais non, je vais pas freiner, moi je fais des loopings, moi je suis un ouf. Hop, j'écoute pas les conseils d'un loser. Même si c'était un pote à mon daron, je m'en aïe, je m'en cogne. Déjà le checkpoint, c'est parti. La première mission n'est pas très difficile. Hein. Donc je vous parlais de l'itinéraire. Est-ce que je les ai eus là? Non. Faut que j'arrive à le sauver. Oui, bah oui, c'est ce que je fais, voilà. Power up, est-ce que c'est nécessaire? Ouais. Non. Bon bah voilà, j'ai rien eu, comme ça c'est réglé. Je voulais avoir les deux, moi je suis gourmand. Hop, petite bombe ici. Vous avez pu entendre le cultissime Double Barrel Roar de Pepe. C'est devenu un peu une private joke sur internet, un peu comme The Cake is a Lie. Ça fait partie des petites répliques que les geeks aiment bien sortir. Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs manières de faire chaque mission. En l'occurrence, on a le choix, hop là. Entre avoir mission réussie ou mission terminée. Bon là je me suis chié. Je pense pas que ça va compter. Voilà, donc c'est raté déjà. Dès le début j'ai pas pris le chemin que je voulais. Donc on va pas réussir à avoir le véritable boss de ce niveau. C'est dommage. Ah, c'est super dommage. Pas grave, on aura toujours moyen de bifurquer plus tard. Donc selon que l'on accomplisse l'objectif de la mission ou non, on peut choisir une destination. Hop là! Alors la petite technique avec ce boss, c'est de le faire tomber en lui pétant les pattes. En général, ça le calme un petit peu. Ça touche son enthousiasme. Allez, tombe. Voilà, comme ça t'as l'air blanc. Haha. Alors, oups là. On doit souvent venir au secours de nos alliés, sinon bah, ils perdent leur jauge de vie et c'est quand même, hop là, important d'avoir les alliés avec nous pour certaines missions.
voyez que Pepi a déjà perdu pas mal de vie. My Emperor, I failed you. Un cri de désespoir qui venait du cœur. Donc voilà, première mission, non pas réussie, mais normalement terminée. Il aurait fallu que je manœuvre en passant sous toutes les arches. Ouais voilà, fin de mission. Si je m'étais pas cogné comme un gland, on aurait eu un autre chemin avec un autre boss directement issu du premier opus sur Super NES. Mais bon, à l'instar de bien des vidéastes, on n'arrive jamais à être aussi bon quand on capture que quand on joue tout seul. Et pourtant, Dieu sait que ce jeu, je l'ai fait dans tous les sens. Voilà, 80, bof, c'est pas terrible. On a vu mieux. Si j'avais pris l'autre chemin, j'aurais rencontré plus d'ennemis, j'aurais même pu faire quelques combos qui m'auraient rapporté pas mal de points sur la fin. Et donc c'est ce qui définit dans ce jeu le niveau de difficulté. Ce sont les chemins qu'on emprunte. Bon, je vais éviter de faire le chemin facile, vous voyez là c'est mal parti, j'aurais pu directement esquiver le champ d'astéroïdes pour partir vers... je crois que c'est le secteur Z ou Y ou X. Une lettre de fin d'alphabet en tout cas. Impressive Star Fox. Now watch out for enemies in the asteroid field. I won't let you down, sir. Wally Walou, c'est parti pour la seconde mission. Toujours une petite séquence d'intro, hein, très plaisante, avec le Great Fox, le vaisseau mère de la Team Star Fox. Things are starting to heat up. Quit dinking around, Flip. We're heading into the asteroid. Alors franchement, la BO de ce jeu est assez sympa. Je préfère celle de la version Super NES. Un peu plus... Je sais pas comment la définir, mais elle sonne pas du tout pareil. Bon, vous voyez, comme je ne suis pas mort dans la mission précédente ni rien, j'ai toujours mes power-ups, donc ça c'est vraiment pas mal. Du coup, si on meurt, on perd nos power-ups, et c'est encore plus difficile de pas perdre. Ça c'est logique. On a les copains qui font n'importe quoi, qui passent dans notre ligne de mire, merci les mecs. Barrez-vous un peu. Ça, c'est des méchants, normalement, ils vont nous poursuivre. Comment je fais spoil? Too quiet. Very quiet. Be careful, it's a trap. It's a trap. Je sais pas s'ils ont fait une petite référence à l'amiral Akbar dans le It's a Trap. Enfin bon, vous le direz, en même temps, que dire d'autre pour la situation. Mais It's a Trap quoi. C'est cultissime. Waouh! C'est quoi ça? Je m'en souvenais pas du petit robot sauteur. C'est pas grave. Là, il y a des saletés qui vont venir nous. Non, elles sont pas venues. Ah, c'est peut-être plus loin. Hop là. Here comes a big one. Ah, il est gros celui-là. Bon, allez, bouge. Reste pas dans ma ligne de mire, blaireau. Noobie, débutant. Bouh. Genre, bon, fallait que je passe de l'autre côté, a priori. C'est pas grave, c'était des dégâts assez mineurs. Wow, can you make it? Use the brake. Non, non, moi je passe. Je suis un dos, je suis un ouf. Ça, ce n'est qu'une bombe. Hop là, les bombes, faut en collecter un maximum parce qu'on n'en trouve pas toujours très souvent. Donc là, il va m'envoyer des munitions, le droïde. Ah purée, mais je joue vraiment comme une brêle. Voilà, ça c'est une petite caisse de munitions envoyée par le copain. Quoi, attention. Ah ok. Merci mec, je les avais pas vus. Alors franchement, j'ai un petit peu du mal à jouer et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en train de jouer sur ma télé HD, c'est la toute première fois que je joue à Star Fox là-dessus. Déjà, c'est pas super beau, même si vous n'en verrez rien au niveau de la capture. Mais en plus, bah, c'est grand quoi. Il y a de l'espace. Je suis pas habitué à jouer sur un truc de cette dimension là quoi, c'est un peu énorme. Bon, prenez-vous ça, vous m'emmerdez, voilà. Prenez tous. Gâchis de bombe quand tu nous tiens. Allez, pareil, là je veux faire des points, moi. Je fais du scoring, je suis comme ça.
Putain, mais si j'avais réussi à loquer celui du milieu, je les aurais tous tués d'un coup. Mais ça, c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu de la chance. Encore ? Aïe ! Ah oui, c'est ce truc-là. Alors ça, je vais essayer, voilà, de les péter. Sinon, bah, ça fait un petit tourbillon de filaments, laser, qui font mal. Ça, c'est pareil, boum. Voilà, les... le barrel roll. Ah bah là, je l'ai sauvé avant même qu'il ait le temps de d'appeler au secours, je crois. Donc le lock n'était pas présent dans la première version, il est quand même bien pratique. Ça, c'est une saloperie, c'est une babeille. Babeille de l'espace. Je déteste les babeilles, vous le savez très bien. Mais je l'ai tué. Donc les anneaux rendent de la vie, les anneaux d'or en donnent plus que les anneaux d'argent, et trois anneaux d'or font augmenter votre jauge. Une fois, donc là comme elle est déjà au max, ça ne changera rien. Mais laissez Sleepy tranquille. Mais allez, vous savez... Non mais te la pète pas gamin, c'est moi qui ai fait tout le boulot encore. Voilà, un petit peu de vie, ça fait du bien, c'est bonheur. Oh merci Falco. Alors moi je peux pas les détruire ces machins là, mais lui il peut. Et donc là, objectif pour finir la mission normalement, ça va être chaud. Il faut enchaîner tous les machins là. J'y arrive pas systématiquement malheureusement. Je m'en fous de me faire toucher hein. Oh bordel, j'ai raté. Ça mériterait presque de me suicider en fait là, hein, parce que franchement je joue vraiment comme une brêle. Vous me direz au pire, je vous montre le chemin en facile et je le referai une autre fois en difficile, hein, c'est pas trop grave. Ça peut être sympa même. Ouais, comme ça je vous montrerai un peu tout le jeu. Je ferai ça je pense. Si le résultat est probant. Bon allez, il va apparaître. Ouais, ça t'évite hein. Alors c'est moi qui charge son machin vert en tirant dedans si je tire à côté des points vitaux. Voilà. On va le laisser. On va éviter de trop spammer non plus. Hop là. Voilà. Ouais, t'as vu, hein, j'ai compris ta technique. Tu me laisses, aïe, recharger tes machins. Bon, là c'est reparti pour un tour, c'est chiant. Bah excuse-moi, j'essaie de buter le machin qui te poursuit, les gars. Je fais ce que je peux, hein. Mais barrez-vous, vous servez à rien, là, à part être dans ma ligne de mire. I've underestimated you. Hop là. Parce que bien entendu, ces branques ne savent pas se défendre. Où est-ce qu'ils sont les missiles? Ah bah voilà. Le point faible. Hop là, une petite vrille pour se dégager. I'm no match for you. I admit defeat. Ouais, c'est ça, et mon cul c'est du poulet. Are you gonna listen to that monkey? You're not as stupid as you look. Fiche de me faire toucher, je suis un bourrin moi, je défonce l'ennemi, je suis comme ça. Là, vous avez vu, il nous a craché un anneau. Mais bon bah c'est pas grave. I can't believe I lost to this scum. Sorry to jet, but I'm in a hurry. Les répliques sont vraiment sympas. Donc une fois encore on va avoir fin de mission et non pas mission accomplie. Ou mission terminée du coup, je sais plus mais. Voilà, on a encore pris le chemin des noobs. Donc au niveau des rapports dans l'équipe, on peut dire que Pepi c'est un petit peu notre mentor, Sleepy bah c'est le noob, c'est la nouvelle recrue. Et Falco, c'est notre alter ego, notre rival, avec qui on entretient des rapports un petit peu de concurrence, hein, ouais, c'est notre rival quoi. Mais au fond, on s'entend bien et on est toujours là pour veiller l'un sur l'autre, ce qui est cool.
Falco, c'est vraiment le personnage le moins boulé de l'équipe. Pépi, il se fait un petit peu vieux, et Sleepy, bah, c'est Sleepy. Alors, cette mission-là, on va essayer d'y arriver. Du coup, comme on est en facile, on devrait rencontrer d'autres protagonistes de la série vraiment très sympas. Je crois pas qu'ils aient été introduits sur Super NES. Recover our base from the enemy army. Ah, quoique, Fortuna. Roger, General. Est-ce que c'est bien là-dessus? Ouais, c'est là-dessus, si, si. Ouais, voilà, entrée de Starwolf. Split up and take it to him. Alors, nouveau type de gameplay, entre guillemets. Là, nous sommes sur une carte et on peut aller un petit peu où on veut, alors qu'avant, on était plutôt sur des rails. D'ailleurs, le nom Rail Shooter a été un petit peu inventé, je crois, pour le premier Star Fox. C'était un des premiers, en tout cas. Donc, rien de bien difficile. On lock des ennemis et on les fait kaboum. Voilà. J'évite de trop spammer parce que sinon je fais plus de dégâts à mes alliés qu'aux ennemis. Vu leur fâcheuse tendance à passer dans ma ligne de mire. Merde, j'ai entendu un anneau de raie, il me le faut. Parce que par contre, là j'ai plus toute ma vie. Donnez-moi des anneaux de raie vite. Alors Sleepy il va encore se faire emmerder même par les petits méchants pas puissants. Tiens, on va faire rager Pépi. Ah non, Pépi il gueule pas quand on lui pique ses cibles. Falco il nous engueule, hein. Il nous dit que c'était le sien. Ouais, genre il fait la chasse au scoring avec nous. Hein. Donc vous voyez, on a vraiment une Team Star Fox avec une putain d'âme. Hein. Des personnalités, quoi. C'est pas juste des pilotes. Hein. Il y a vraiment... Bon, l'histoire en elle-même n'est pas fondamentalement innovante. Hein. Ça fait même vachement penser à Star Wars par certains côtés. Mais il y a toujours une petite trame dans l'émission. Voilà, là, on comprend que c'est la merde. Andros has ordered us to take you down. Eddie, long time no see. Pépi le traître. Andros's enemy is my enemy. Oui, toi, on a compris que t'étais un macaque, c'est ta famille. Just what I need to see. Où est-ce qu'il est cet enculé de Pépi? Je déteste Pépi, c'est un traître. Si vous avez lu le texte d'intro, c'est lui qui a... Tiens, prends ça. You'll be seeing your dad. Vas-y, c'est ça, fous-toi de ma gueule, toi! Ah! Bordel, mais j'arrive pas à placer mon looping! Voilà, what the heck! Eh, mais pas what the fuck! Il est poli, le wolf! Et ils ont descendu Pépi, bah ça commence bien, tiens! Oui, ah merde! On va suivre la petite flèche du SOS! I send an SOS to the world! Tiens! C'est ça, Queen ton oncle! Enfoiros! What the heck? Bon, Wolf il a décidé de nous saouler! Ah l'enfoiros! Il manœuvre quand même super bien! Ils savent se battre! Attends, mais t'es de quel côté? Il va falloir me dire! Il est où? Il est là! Bon, hop! Merde, il m'a repris en filature et... What the heck? C'est pas toujours évident de placer son looping, hein, vous l'aurez remarqué. Putain, non, la montagne fait fail ma manœuvre. En même temps, bah, c'est le décor, ça fait partie du jeu. Hein. Il me semblait qu'il y avait un timer pour cette séquence. Hein. Vu qu'il y a une bombe qui a été placée, si vous avez suivi... Tiens! Ah bah si, ah bah si. Hop, les vrilles, les barrels nous permettent quand même de dévier les tirs ennemis, c'est pas mal. Oula, ils sont deux après moi en plus. Et mes copains ne servent vraiment à rien. Hein. C'est vraiment à moi de faire tout le boulot. D'ailleurs, en fait, je conduis complètement à l'aveugle, enfin, je pilote, alors qu'il y a une mini-map quand même bien pratique. Allez-y les mecs, prenez-moi en filature, y a pas de soucis, je vous en voudrais pas.
Voilà. What the heck? My beautiful reward! Ah, connard. Pense qu'au fric. Ah, voilà le timer. Il était temps. Un petit peu d'adrénaline. Ouais, bien dit, Fox. Bien dit. Il est derrière moi. What the heck? Allez, tu vas crever, oui. Voilà. Il s'est pris pour Boris Glichenko. I'm invincible. Ceux qui ont vu le film GoldenEye comprendront la référence. Donc ce coup-ci, normalement, Fox a désamorcé la bombe, y a pas de souci. On va enfin avoir réussi une mission convenablement. Mission accomplie, voilà. All aircraft report. Hey, we made it. Sauf qu'on a perdu Pépi. That was a close call, Fox. Bon, les autres sont full vie, donc ça devrait aller pour la prochaine mission, j'espère. Et donc on va pouvoir bifurquer à nouveau. Alors, où est-ce qu'on est là? On a le choix, je crois, entre le soleil du système, voilà. Ni plus ni moins que le... C'est le soleil, je pense. Hein. C'est au milieu, ça brille, c'est en feu. Et donc là, on peut toujours changer de direction, mais j'en ai aucune envie, surtout que j'aime pas du tout le secteur, même si c'est une mission censée être facile, je l'aime pas. On court par au milieu. Donc vous voyez, changer de parcours. Mais non, hein. Allez au parcours suivant. On aurait aussi pu recommencer, mais perte d'un Arwing. Bah en fait, vous voyez en haut à droite, c'est les villes, les Arwing. C'est aussi le nom de nos appareils. Donc allez au parcours suivant. That area's an oven. Don't go burning that Arwing. Be reasonable, Fox. I'll be careful. Bon bah Solar, je pense qu'on a la réponse. La poêle à frire. Keep an eye on your shield gauge. Et donc là, ça va être mission impossible, on va perdre de la vie même sans se faire toucher à cause de la température ambiante. Donc il faut vraiment trouver des anneaux, trouver des monstres, trouver des choses. Aïe. Si on se prend des espèces de magmours là, on va pas s'en sortir. Mip, mip, mip. Très stressant le mip mip, mais bon, ça me fait penser... Enfin, moi ça me fait penser un petit peu à Metroid du coup. D'ailleurs, je parlais à l'instant de Magnum, c'est pas un hasard. Un petit peu le Norfair spatial ici. Ah, faut que je casse les cailloux parce qu'ils donnent des anneaux. Ah, les grandes vagues, elles sont méchantes aussi, j'aime pas les grandes vagues. Bon, pour l'instant, ça va encore, hein, c'est tranquille. Alors, on va essayer, hop là, d'en casser le plus possible. Bon, passez-vous. Ah! Ouh! Les osios, ils sont pas cool! Un anneau d'or, je veux bien! Et donc, il y a des petits événements dans les missions qui, selon la difficulté, vont être différents, vous verrez. Je sais pas du tout comment ça va se passer, ni. Si je vais pouvoir aller là où je veux. Donc, trois anneaux d'or, c'est cool, ça tombe bien. Une petite bombe, merci le robot dont j'ai oublié le nom. Voilà, là, on fait du point. On freine un petit coup. En général, j'ai plutôt tendance à toujours accélérer.
Barrez-vous, vous, là. Laissez mon pote tranquille. Laissez mon bro, Moméo. Bon, ça servait à rien de prendre l'anneau d'or, mais j'avais envie de faire mon bro. Attention à toi, mec. Voilà. Bon, du coup, je suis à fond dans le jeu, je parle pas trop des circonstances. Donc, comme je vous le disais, je fais cette vidéo pour fêter mes 200 abonnés. Je suis super content de voir que bah, ma chaîne a pris un petit peu d'essor quand même. Hein. Je vais pas être hypocrite et dire que je m'en fous complètement des vues, des abonnés, tout ça, tout ça. Quand on effectue un travail quotidien, c'est très gratifiant de voir que ça plaît, quoi, tout bêtement. Et bon, bah, voilà, quoi, je vous remercie tous pour votre assiduité, même si vous regardez pas toutes mes séries, hein, je vous en veux pas, au contraire, c'est bien pour ça que j'essaie de proposer un choix assez vaste. C'est pour que tout le monde y trouve son compte. Une politique de partage, du plaisir. J'irai pas jusqu'à prétendre que je suis là pour vous vendre du rêve, mais un petit peu quand même. Sinon, au niveau de l'actualité pure et dure, faut que je vous raconte, hier j'ai fait une petite brocante, et j'ai fait l'acquisition d'une PS1 pour 5€, et d'une PS2 Lite pour la modique somme de 25€. Je trouve ça pas mal, alors là on freine. Ceci est un boss, et en plus il est pas beau. Et il fait des vagues, c'est le cas de le dire. Allez. Allez, 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 voilà, un bras de moins. Ouais. Donc je crois que si je le tue pas assez vite, qu'il y aura un petit souci scénaristique. Allez. Oh non, ça y est, il a fait le lâche, il a fait le fourbe, il a plongé. Et j'ai raté les anneaux, c'est pas grave. Bah, c'est vraiment dommage que j'ai pas pu vous montrer le chemin que je voulais vous montrer, mais bah, du coup ça me fait un prétexte pour ressortir une autre vidéo. Où je prendrai des itinéraires différents dans la mesure du possible. Bon, je vais pas non plus vous montrer toutes les missions existantes. Juste l'essentiel, quoi, le gros du bousin. Et arrête de faire ça, aïe. Ah oui, le coup transversal, il est méchant, il pardonne pas. Vas-y, ouvre la gueule. Car c'est un monstre, il n'a pas une bouche, il a une gueule, hein. On a le droit de le dire, là. Allez, mais pourquoi est-ce que je lui fais rien? Ça, c'est un peu cheaté, vous voyez. Aïe. Allez, allez, tiens, take it, basta! Ah! Voilà. You did it! 10 points quand même, le boss. Ah, heureusement, hein. Kaboum, kaboum. Donc je pense que si j'avais mal joué, j'aurais eu simplement mission terminée, et en fait je vous explique, Pépi se serait fait... pas Pépi. Sleepy se serait pris un coup de paluche, et aurait été envoyé baldinguer sur une autre planète, ce qui nous aurait obligé à faire un petit détour. En fait je m'en fous de parler en même temps que, de toute façon c'est en anglais, vous comprenez rien. Ah si, peut-être un peu. Mais bon, vous avez la traduction en dessous, donc c'est pas dramatique en soi. 77 points, c'est la classe. Ça fait un peu casino. Donc normalement, Pépi, son appareil est réparé, il va revenir dans la course. Et on arrive à une de mes missions préférées, normalement. Je vais vérifier le nom. Attendez, comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai pas réfléchi. So you're going to attack the enemy base? Great idea, Fox! It'll be a piece of cake, General. Pas évident à réussir cette mission. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc ça introduit une nouvelle phase de jeu, en véhicule cette fois. Je me souviens plus du nom, mais bah c'est un petit char, un petit tank. Et on va poursuivre un train de munitions, c'est juste excellentissime. Je trouve que c'est vraiment une putain de bonne idée. Genre, je lui fais rien, là. Bon, attendez. On va essayer de péter ça d'avance. Allez, faut tout casser, là, les mecs. Allez. Donc,
Donc les objectifs de mission sont vraiment pas faciles à remplir, vous verrez. Bah comme souvent, en fait, c'est un truc à faire à un moment précis, ça demande un minimum de skill. Et si on se rate, et bah on peut pas revenir en arrière, à moins de sacrifier un Arwing. D'ailleurs, nos vies sont... Vous avez remarqué que l'icône de la vie a changé, hein. C'est la miniature du temps qui nous ont... Ils ont pas eu le culot de nous remettre un Arwing pour cette mission, c'est vraiment bien foutu. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le souci du détail. Le genre de choses qui font que je surkiffe ce jeu. Mais... Je t'ai pas tiré dessus. Pourquoi tu m'engueules? Bon, là, on va accélérer parce qu'on est en train de se faire semer par le train, c'est pas bon. Je suis en train de gérer le sol et il faut en plus que je vais défendre. Incoming! Incoming! Hey, what's the big idea? Oh, ça va! On va emmerder aussi celui-là. How's the Landmaster, Fox? Landmaster, voilà, bon, ils nous ont remis le nom. En même temps, on pouvait pas l'inventer. Ah oui, alors prendre l'altitude, vous allez voir. Non, non, pas maintenant. Voilà! On peut planer un tout petit peu, c'est pas... Ça dure pas très longtemps. Oui, bah je fais ce que je peux, hein. Je suis où, là? Ah d'accord, je suis en bas, c'est la caméra qui me joue des tours. Je comprenais plus trop, j'ai cru qu'il y avait eu un petit bug d'affichage, mais non, non, tout va bien, hein. Aïe! On va accélérer, parce que je leur fais plus de dégâts, là. Hop là, on sauve Falco. Donc lors de ces séquences un petit peu scriptées, vous aurez remarqué, aïe aïe aïe, que, aïe, nos ennemis, enfin nos amis, pardon, nos alliés perdent énormément de vie. Donc faut vraiment pas perdre de temps pour les sauver. Comment ça on a peur d'approcher, je t'en fous, moi. C'est qui a peur là-haut? Les ennemis jouent toujours sur la provoque. Un bon moyen de vous inciter à faire des conneries. Enfin, tout est bien pensé dans ce jeu, quoi. On s'y croit. Franchement, y a pas beaucoup de critiques à faire, même pour l'époque. Il était pas dégueulasse. Bon, bah, les textures sont ce qu'elles sont, mais c'est de la 64, les mecs, hein. Si vous voulez un jeu splendide, essayez le remake sur 3DS. Le gameplay est vraiment bien foutu en plus, on s'y retrouve bien avec les boutons LR, les gâchettes, tout ça. C'est vraiment une expérience qui vaut le coup. Attendez, alors là, ouvre-toi. On va bientôt approcher de l'objectif. Voilà, on récupère un peu de vie. Il est où l'interrupteur? Il est où? Il est où? Il est où? Je le vois pas ton interrupteur, mec. Ah ça y est, les là. Faut pas les rater. Il y en a un là. Il y en a un là. Je crois que j'en ai déjà raté quelques-uns. Ouh, ça c'était Vislar, on va les laisser prendre de l'avance plutôt. Parce qu'en fait, ils nous gâchent la vue. Ok, celui-là, on l'a eu. Une petite bombe. Le levier, il est là-bas, je crois, c'est ça. Et voilà, on a activé l'aiguillage. Et au lieu de combattre l'enfoirose de boss qui nous provoquait, eh ben, voyez vous-même. Un petit finish bien stylé, je suis content d'avoir réussi à le faire. The Galaxy Express, Queen 9, we take you for a journey. Bling! Dans le dépôt de munitions. Si c'est pas magnifique.
course. I can see the look on their stupid faces. Y'a plus que... Ah non. Sure we heard of this time. On a perdu Falco ou quoi? Ou il est là? Now it's our turn to kick some tail. Ah, c'est moi qui ai eu peur là. Temps de réaction zéro le coq là. Un coq, perroquet, je sais pas ce que c'est. Moi je dis que c'est un coq. C'est peut-être un paraca en fait. Voilà, alors là, il presse R et Z automatiquement comme un grand et il rentre. Alors, le chemin que nous avons pris fait que nous avons manqué plusieurs personnages secondaires, donc j'essaierai de vous les présenter dans une autre vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les croise dans des missions, qu'on vient les aider, et que du coup, en retour, bah, il leur arrive de faire leur apparition sur d'autres missions pour nous aider eux aussi, en retour. Donc, j'essaierai de vous présenter ça une autre fois, parce que là, on n'en recroisera plus, c'est trop tard. Alors, vous voyez là, le trait rouge, ça veut dire qu'on part sur un parcours vraiment difficile. On n'est plus en facile. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'y vais. J'ai pas peur, je suis un dur. It's almost over. We're in your debt. Come back in one piece, Fox. In one piece. Will do, General. Ah, c'est marrant ça. En entier, one piece. J'avais jamais fait gaffe, mais c'est rigolo. Came in here. No problem. Alors eux c'est pas des copains, hein, c'est des... voilà. Emergency maneuvers. Too late. Game over, pal. Et là vous voyez, on voit Venom au loin qui approche. Venom, la planète finale, la planète du boss. Everybody stay alert. Bon, j'ai pas réussi à péter la grosse truc là, mais c'est pas grave. Champ de mine. Ah, j'ai plus de bombes. Aïe, j'ai plus de bombes. C'est pratique pour déminer les bombes, hein. Vous imaginez bien. C'est fait pour ça, c'est ce que je peux le péter, j'aime bien les péter, espèce de toupie. Allez, je vais réussir à en péter une. Non, même pas. Alors, je sais pas s'il y a un objectif dans cette mission, je crois pas. À part faire le plus de points possible et massacrer tous les Ampharos et survivre, c'est déjà pas mal en soi. Aïe. Voilà, ils valent 3 points donc c'est quand même intéressant de les péter. Hey Einstein, I'm on your side. Ah yeah, j'adore cette réplique aussi. I guess you're good for something. Franchement, en français, bah elle sonne pas aussi bien quoi. Einstein, I'm on your side. Ça change tout, bah. Franchement la version française m'a déçu. Red Fox vous couvrira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux couriner les gros vaisseaux là. Ok, yokai. Bah ouais, non mais il couvre quoi là? Il couvre quoi? Je vais crever. Même si je suis blessé, parfois je peux perdre mes power-up, hein, faut le savoir. C'est quoi? C'est Red Fox qui tire sur les mines là ou non? Non, c'est des méchants. Aïe. Ta gueule, Pépi, c'est pas toi qui est en train de crever. Not yet, sir. They're on me. I'm getting careless. What's taking you so long, Fox? Pitié, filez-moi des anneaux d'or. Je veux pas crever. Ce serait trop la loose. Allez, il me manque juste un anneau d'or pour récupérer masse de vie. Et en plus, ça va me recharger full, je crois. Qu'il me le faut. Il me le faut. Oh non, la babeille. Pas la babeille. Ah, anneau d'or, merci la babeille. En fait, c'est cool les babeilles. J'aime bien les babeilles. Exceptionnellement. Je peux pas le loquer, lui. Non, ça crève. Allez, les petites toupies. Encore une babeille, non. Crève la babeille. Un anneau d'or, c'est cool. They've broken through the first line.
Et les ennemis qui flippent, ça c'est juste génial. Enfin, il y a vraiment une ambiance dans ce jeu. Vous vous en rendez compte, je pense. C'est juste excellent. Take it, bastard. Tiens, je vais vous apprendre à faire les danseuses, vous, hop là. Les danseuses nénuphars. We're gonna break through that fleet. Ah oui, faut péter, hop là, les tours, les passerelles en fait. En même temps, ça se tient. Hein. Oh non, on a perdu le plus efficace, super. Ça se trouve, c'est moi qui lui ai tiré dessus, en plus, j'ai pas bien vu. Ce serait pas étonnant, vu comment je bourrine là, je réfléchis même pas à ce que je fais. Ah, j'aurais bien aimé arriver jusqu'à Venom avec toute mon équipe. C'est dommage. Allez, on bourrine. On les défonce. Allez, t'inquiète. Merde, je visais pas au bon endroit. Aïe. Un petit père, il se chie dessus, ils font plus les fiers. Aïe, bon, moi non plus, mais... Sauce samouraï. Enemy ahead. This one's different. Oula. Ah oui, il fait des étincelles. Et c'est reparti pour un boss. Ah oui, je m'en souviens de celui-ci, je crois. Il est vraiment pas sympa du tout. Il me semblait qu'il pouvait péter ses bras mécaniques. Sont vraiment problématiques, hein. Allez, on va tout péter. Voilà, te v'là manchot. Alors, le point faible, il est où? Oh, ce serait bien de l'avoir quand même un jour, le point faible. Hop là, donc là faut faire gaffe, hein. Les missiles téléguidés sont assez problématiques. Enfin, téléguidés, radiothermiques, appelez ça comme vous voulez. Téléguidés, ça fait un peu chou pour enfant. Thermocommandé, voilà. On fait un mix. Ah oui, il faut péter les petites boules d'énergie, c'est vrai. J'ai oublié. Bref. Bah. Il y aurait une espèce de... plante piranha de l'espace. Détruit les tentacules. Ah, mais c'est toi le tentacule. Je fais ce que je peux, moi. Hop là. Oh, le bel arc de cercle à décrire. Ouh, comme je vais pas y arriver. Il me suit toujours, le saloperie, ouais, sans doute. Hop là, donc ça met un petit peu nos nerfs à rude épreuve, hein. On tape plusieurs salves, le boss ne veut pas passer en mode vulnérable, sa jauge de vie ne descend pas. Tout pour nous plaire, hein. Allez, ouvre-toi. Détruis les trois boules d'énergie, mais je fais que ça avec. Les tentacules. Ah tiens, j'ai cru que c'était des missiles, en fait non, c'était des appareils ennemis cette fois. Ça veut dire qu'il commence à manquer de munitions peut-être. Je crois qu'il y a un moment où le point du milieu est vulnérable et il faut bien bourriner. Oula là 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 là, c'est pas bon. Aïe, j'ai pas réussi à l'esquiver. Waouh. Voilà, je me souviens comment faut faire. Le temps que ça revienne un petit peu. Oula, mais c'est quoi ce pattern? Les boules, elles tournent dans tous les sens. Bah non, et faites pas de blagues comme ça, vous, hein. Voilà, là, c'est bon, c'est bonheur. Je spam. You did it!
Je rêve où Sleepy était le seul survivant. C'est juste complètement absurde. Ah putain, on est pas mal décimé là. Ah non, on est encore 3 quand même. Il manque juste Falco. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on ne le reverra plus avant un moment parce que... Voilà, on passe direct à Venom. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer. Say your prayers, Android. Ok, donc on est sur une zone. Don't get too cocky, Star Fox. Let's see how you handle our new ship. Remarquez que les persos sont un petit peu cybernétisés. Too bad Dad's not here to see you fail. Ils vont pas spécialement apprécier. Notre dernière rencontre, je crois. We'll just see about that, Star Wolf. Allez, nouveaux appareils, qui se la pètent. Oh bah ce fut bref. C'était le chef de l'équipe en plus. La loose. Désolé, j'ai pas le temps de venir t'aider. Bon, si, on va y aller. Il y en a un qui m'a pris en filature, je crois. Aïe. Not yet. The party's just begun. Aïe, aïe, aïe. You can't beat me. I've got a better ship. Arrête de te la péter. C'est pas parce que vous avez du nouveau stuff et des couilles bioniques qu'il faut vous la jouer. I'll take care of you. Je l'ai même pas touché là. Ah bah le con. C'est un face. J'aurais pas craché sur quelques anneaux d'or quand même pour pouvoir mieux leur mettre leur race. As-tu crevé toi? Putain, ils ont appris la vrille depuis la dernière fois. Oui bah arrête de couiner. As-tu crevé? Oh! Ils ont aussi appris à jouer en équipe, on dirait. I'll take care of you. Ah ouais? Je vais t'écraser, moi, saloperie d'insecte. Mais arrêtez de faire des vrilles! Oula! Allez, vous êtes content, vous avez pété mes potes! Tiens! I'll take care of you. Il en reste 2, je crois. Hop là. C'est pas souvent que j'arrive à rencontrer les Starwolf 2 fois dans la même partie. Donc des fois, on les rencontre pour la première fois, vous voyez, ils sont déjà cybernétisés alors que, bah... On leur a pas encore cogné dessus, quoi. Petit détail. SOS de quoi? Je l'ai tué. I'll go it alone from here. Et du coup, on échappe au monde de Venom, qui est assez difficile. Fuck! Puisqu'on est directement sur le théâtre de la bataille finale. Vas-y, fais tes cabrioles aériennes. Par contre, on va avoir droit à un boss version difficile, et ça, c'est chaud pour notre gueule. Je préfère vous le dire. I've been waiting for you, Star Fox. Tu l'es de macaque. You know that I control the galaxy. Moi, je contrôle ta mère, si tu veux. It's foolish to come against me. J'ai besoin d'anneaux d'or. Par contre, ça, c'est vraiment un impératif. Si je trouve pas des anneaux d'or, je suis dans la merde. On va passer par là, ce coup-ci.
toute façon, tous les chemins mènent au Rhum. Bon, on n'a pas eu les anneaux d'or. J'ai pas pris le bon chemin. Qu'est-ce qui te fait rire? T'es pas beau. Donc, ça me fait un petit peu penser à la tête de Mario, vous savez, dans... Ah, t'as mal. Tiens. Donc, arriver contre lui avec les power-ups, c'est juste super important. Donc là, quand je lui tire dans les yeux, il a mal. Et je peux péter ses mains plus facilement. Et il aime pas. Donc là, c'est vulnérabilité totale. Je bourrine. Je l'éclate. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il a pas encore placé une seule attaque. Et voilà, on a affaire au cerveau. So, Androth, you show your true form. Eh ben écoutez les mecs, on va essayer de faire gicler sa matière grise. Bien, encore des yeux, Amphoros. Alors, je me souviens plus trop comment faut faire. Je crois qu'il faut péter le petit machin qui fait blibli qu'on entend. Non, ça c'est ses yeux qui nous poursuivent. Ils sont juste là pour nous enquiquiner. Accélère, Fox. Oula, faut pas rentrer dans le champ magnétique, hein, bien sûr. Sinon, c'est dangereux pour notre cul. Merde, c'est quoi la technique? Je crois qu'il faut tirer derrière son cerveau. Mais c'est pas facile du tout. Allez, on va tirer. Ouais, c'est ça, faut tirer derrière son cerveau, c'est pas facile. J'ai cru voir des espèces d'astéroïdes, là. Je sais pas ce que ça foutait là, mais... Oula! Ouh, c'est pas beau. C'est plein de filaments et de trucs tout dégueu. Allez, on tente. Un demi-tour. Ah ouais, faut lui tirer dans les yeux, en fait. Enfin, ça peut être une idée, en tout cas. Donc, vraiment un final assez épique, hein, faut le dire. Demi-tour! Raté. T'as pas un point faible par là-bas aussi? Il me semblait, bon. C'est pas grave, on refait demi-tour. On pilonne. J'ai pris quelques dégâts, mais c'est pas bien grave. On s'occupe pas du cerveau. Bon, d'ailleurs, le coup du cerveau à la fin, je trouve ça... Enfin, je sais pas si c'est vraiment pompé ou si c'est juste une putain de référence, hein. Parce que, bon, parfois, on crie au plagiat là où il n'y a qu'un putain d'hommage. Et... Bon, arrêtez de voir le mal partout. Mais ça me fait penser à Mother Brain, le boss final de la saga des Metroid. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une espèce de cerveau flottant, méchant, pas cool, pas glop. Aïe. Quant aux yeux, bah c'est pas une référence parce que c'est beaucoup plus récent, mais ils ont un petit côté les yeux de Cthulhu dans, comment ça s'appelle déjà, le Minecraft en 2D, la Terraria. Je pense que vous en conviendrez, similitude. Donc j'arrête, je prends trop cher à chaque collision. Allez. Voilà. Bon, je pense que ce coup-ci, il va être pas mal vulnérable, le cerveau. Non? Toujours pas? Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y passe, moi? Ah! Ça sent le point faible! Ah bah non, mais si il se volatilise, c'est cheaté ça. Ouh! Là, la collision, la hitbox était un petit peu foireuse. Vous avez vu ça? Je suis passé à travers. Je vais pas m'en plaindre, mais... J'aurais perdu sans doute la moitié de ce qui me reste en vie. Tiens! If I go down, I'm taking you with me. Puéril. Indigne du génie criminel que tu étais.
Ouais, ça, indigne de la prestation que je viens de vous faire. Quoique. Don't ever give up, my son. Father? Eh ouais! Si c'est pas trop stylé, ça, comme finish. Alors en facile, vous l'aurez pas. Faut toujours vous brosser pour avoir ça en facile, hein, je vous le dis. Eh, papa, va pas trop vite, attends. Attends-moi un peu, hein. Parce que lui, il se fait pas chier, il accélère comme un fou. Par où? Par là? Ok, je te suis. Mon petit papounet. Donc c'est pas super simple, hein. Avec les tremblements et tout, c'est pas évident. Bon, là encore des répliques qui font vachement penser à Star Wars, hein. Crois en ton instinct, tout ça, bon. De toute façon, on est dans la référence, les développeurs ne s'en cachaient pas. C'était une sorte de Star Wars animalier, hein. Ils n'ont jamais cherché à le nier. Subjugué par les scènes de bataille spatiale, l'équipe de développement a tout fait pour permettre aux joueurs de Nintendo de retrouver des sensations similaires. Bon, je me tais un petit peu. Vous me direz, c'est fini. Notez que l'Arwing de James McCloud a disparu. Il s'est volatilisé. Et ce n'est pas une histoire de distance d'affichage, hein, loin de là. Le mystère reste entier. Ah, les autres, ils sont même pas là pour m'accueillir, quoi. C'est abusé, ils auraient pu les ressusciter pour l'occasion. Merde, les mecs, normalement. Tout le monde est là et tout le monde parle. Nothing's wrong. Eh bien, voilà, les amis. On va regarder le générique ensemble parce qu'il est quand même assez sympathique. Et puis qu'à la fin, il y a un petit détail qui tue que je me dois de vous montrer. Je trouve ça trop stylé, perso. J'espère que vous aurez apprécié ce petit let's play, cette petite épopée plutôt, d'une traite. Bon, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, comme toujours. Beaucoup de plaisir à le commenter en votre compagnie aussi, également. Hein. C'est... Voilà, je reste un petit peu sans voix, faut dire que j'ai du mal un petit peu à réaliser le fait d'avoir des 200 abonnés sur ma chaîne. Quand j'ai commencé, j'y n'ai jamais atteindre, on va dire, un tel score. Parce que oui, chez nous, on est des gamers, donc on parle pas de... En valeur quantitative, on parle en points. Un point, c'est tout. Deux points, c'est tout. Donc je ferai certainement une autre vidéo pour vous montrer les parcours alternatifs que l'on peut emprunter au cours du jeu. Je suis quand même content d'avoir pu vous montrer les deux versions de Star Wolf. Surtout que lors de la deuxième rencontre, ils sont complètement cybernétisés de partout, c'est vraiment juste trop stylé. Je suis un grand fan de l'univers cyberpunk, alors forcément, chez moi, ça fait mouche. Les protèges bioniques, là que ça devrait. D'ailleurs, on aurait dû pouvoir débloquer Wolf dans... Oui, je dis Wolf parce que ça se prononce Wolf, en fait. Wolf. Non, Wolf, on va dire Wolf. Wolf dans, comment ça s'appelle, Super Smash Bros, on peut le débloquer comme perso. Et ça aurait été classe de proposer une version toute cybernétisée de partout. J'aurais trouvé ça classe, mais bon, c'est déjà sympa de l'avoir implémenté dans le jeu, on va pas critiquer. Donc voilà, notre équipe revient victorieuse sur Corneria, après avoir défait Andros once again, comme ils nous l'ont très bien dit dans l'intro. Et voilà. À la base, je voulais faire ça en face commentary, puis en fait, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire. Peut-être que vous auriez bien aimé, mais plutôt réserver ça pour un jeu qui s'y prête réellement, comme un jeu flippant, par exemple.
un petit peu dans la veine de PewDiePie. À voir. Je le ferai certainement un jour. Starbuck, we are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian. Oh no, sir. We prefer doing things our own way. Tiens, c'est pas traduit ici. Great Fox is ready to go. Donc en fait, il a voulu les recruter dans l'armée. It's time for us to go now. Et Fox lui a répondu que non, il préférait les choses à leur manière, sans hiérarchie. Parce que les Star Fox, ce sont des mercenaires, hein, c'est pas des soldats réguliers. Et le final du jeu ne manquera pas de nous le rappeler. Mais j'anticipe un petit peu. Donc vraiment une superbe OST pour ce jeu. J'aime beaucoup l'OST de l'opus Super Nintendo, qui est radicalement différent, hein, faut le dire. Enfin, il y a des sonorités communes, mais c'est pas le même style. Il est plus agressif, bah, un petit peu plus en beats aussi, mais bon, c'est autre chose. Mais surtout, ouais, c'est pas beaucoup plus speed, un peu moins symphonique. Là, on jurerait entendre du Koji Kondo. Façon Zelda, un peu. Alors que, bon, j'ai pas fait gaffe, mais il me semble que c'est pas lui qui a fait la musique de ce jeu, contre toute attente. Bon, on me fait signe que si, c'est lui. Bah alors c'est sur Super NES, mais c'est pas lui. Et ça, je suis formel. Oui, bon, vous le savez peut-être pas, mais... Y'a la petite tambourine qui est à côté de moi. Tu veux dire un petit mot pour la fin? Bon, bah voilà, je sais pas si vous l'avez entendu. Elle se fait discrète, elle est toute mignonne, toute sage. Elle a pas fait un bruit du tout du tournage. C'est ma technicienne. Puis c'est ma femme aussi. Je le dirai jamais assez. Bon bah, merci à toi, Julien Bartakoff, d'avoir traduit ce jeu. En même temps, j'imagine que t'as reçu un petit cachet pour, hein. T'aurais pu quand même laisser le Let's Rock and Roll, bordel. C'est plus métal. C'est pas tout récent. J'avais 7 ans. Mais j'ai eu le jeu vers 8-9 ans, je crois. Je suis dans le top 10. Waouh! C'est cool, ça. Normalement, je dépasse le millier de points, je crois, mais bon, c'est pas grave. J'étais... Je sais pas, j'arrivais pas à faire des combos, j'arrivais pas à loquer les ennemis du milieu, donc forcément, bah... FRZ, bah oui, c'est moi, hein. Donc on voit le petit parcours que j'ai pris, là, petit récapitulatif, avec les initiales PSF, hein, qui disent si Peppy, Sleepy et Falco sont restés pendant le truc. Bon, je suis 8ème au classement, sûrement cet enfoiré de Phil, qui est le joueur, je sais pas, ça doit être un des bêta-testeurs ou quoi, il est dans toutes les cartouches. C'est pas parce que j'ai acheté le jeu d'occasion, hein, rien à voir. Normalement il est toujours là, et puis voilà. Alors fin, on va appuyer. Donc vous voyez, Phil, je vous le disais. Bah lui forcément il finit toujours avec tout le monde, c'est un PGM. Et il est premier au classement avec 1046 points, moi je suis deuxième avec 1041. Je sais plus combien j'ai fait sur 3DS, mais je sais que je torche littéralement les scores, je sais pas pourquoi. Mais sur 3DS, j'ai fait plein de points, j'y arrivais mieux en fait. Alors que j'avais l'impression de moins bien jouer. Bon, vous voyez que par contre sur cette partie-là, j'ai eu pas mal de pertes. Et que j'ai pris bah, à peu près le même chemin que... Ouais, le secteur Y, c'est une carte super sympa, j'aurais bien aimé vous la montrer. Il y a un moment où on combat des mechas. C'est quand même très stylé, avec leurs petites rampes de lancement sur des espèces de porte-avions, enfin... Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, c'est promis. Enfin non, du coup, il va falloir que j'en fasse deux autres, parce que soit on prend le secteur Y, soit on réussit le champ d'astéroïdes. Ah ouais, merde. Bon, on verra. Au pire, je ferai reset, juste pour vous montrer le bousin, on verra, je sais pas. Je promets toujours de montrer 36 000 trucs et je le fais jamais en plus. Bon, en tout cas, je voulais vous remercier, parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo. Je voulais remercier pour votre souscription à ma chaîne. C'est vraiment encourageant, c'est vraiment gratifiant de voir comme ça son compteur augmenter de jour en jour. Et surtout, plus que le nombre, moi ce que j'aime, c'est les retours, les commentaires.
Vous savez, je pense que je suis souvent ouvert à la discussion. D'ailleurs, j'ai un peu tendance à répondre des pavés, et je maudis souvent la limite de commentaires YouTube. En tout cas, ouais, c'est vrai, quoi. Attendez, c'est... Bon, y a pas d'argent, mais... Ça fait un petit peu penser au texto, vous savez, à cette commercialisation du caractère. C'est pas ça qui va encourager les gens à écrire mieux français, quoi, sincèrement. Bon, là n'est pas la question. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, et je le fais. Et on va appuyer sur A. Voilà. This is one steep bill. La facture. Je trouve ça trop classe. On termine le jeu sur la facture. Unité vénomienne détruite, 877. Somme due 56 128 SP. Ceux qui ont joué au jeu d'aventure sur GameCube, c'est pas mon cas, sauront peut-être le nom complet de cette devise. Parce que je sais pas, y a pas de L, y a pas de Lilot, y a pas de C comme Cornaria, donc je sais strictement pas ce que ça peut représenter. Ah mais si! Merci Tam. Ce sont des Space Dollars! Évidemment! Évidemment. Voilà, voilà, bon. Je passe vraiment pour un branque, mais c'est pas grave. Vous êtes habitués, et je crois que c'est ce que vous aimez en plus. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Encore une fois, mille merci. J'espère que l'aventure vidéoludique se poursuivra encore longtemps. Moi, en tout cas, bah, j'ai envie, hein. J'ai encore tout un tas de choses à vous montrer. Surtout, comme je vous le disais, j'ai fait l'acquisition de nouvelles consoles. Et en plus, aussi, ah ouais, ça je vous l'ai pas dit, j'ai acheté GTA 3 pour 2€, Vice City pour 2€, et San Andreas pour 2€. Sur PC, parce que moi je préfère jouer sur PC à ces jeux-là. Donc, je les ferai certainement très prochainement. Hein. Il y a des chances, parce que bah, les GTA, c'est quand même une série que je kiffe. Et puis en plus, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Les trames principales sont sympas, mais on est libre. C'est pas du rail shooter, hein, loin de là. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On peut s'improviser des petites scénettes comme ça pour le LOLs. Enfin, bon, là n'est pas le propos de cette vidéo, j'anticipe un peu. On verra ça tôt ou tard. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao.